passe à l'armée d'Italie, voilà, c'est très important parce que les femmes sont assez en détresse. En fait, même si j'ai passé avec Chérissa, ce qu'elle a raconté, moi en fait, elle m'a vite appelée au secours parce que c'était assez grave ce qui s'est passé, voilà, ce qu'elle a subi, la répression et tout ça. Elle m'a porté plainte sur les actes qu'elle a subi en fait à cette petite fille, comme elle est née. De l'armée d'Italie parce qu'elle a vraiment été choquée par ça et je pense que tout le monde ne se rend pas compte de ce que c'est de vivre en fait dans ces conditions. Moi j'ai vécu en foyer, mais c'était pas dans un foyer comme ça, mais c'est aussi horrible en foyer, voilà, je vais vous dire. Et donc je pense qu'il faut continuer en fait, c'est important parce qu'en fait on est quand même des femmes ou des féministes, je pense qu'il faut continuer à se mobiliser en fait et à faire des actions comme ça pour qu'on se s'entende et que en fait. Le 8 mars prochain, on soit encore plus forte en fait, parce qu'il y a des actions là qui se préparent, il y a des choses qui se préparent, des réunions. Et je pense qu'il faut continuer à alarmer en fait toutes les conditions dans lesquelles les femmes en fait vivent. Donc je pense que c'est bien de tous rejoindre à 13h à Montparnasse et de faire un cortège de femmes vraiment, qu'on s'appelle de femmes féministes, de femmes gilets jaunes. Ouais, aujourd'hui c'est 13h Montparnasse, après s'il y en a d'autres, il y a d'autres manifs. Moi, je ne demande pas cette manif-là, il y a d'autres manifs devant les médias, et voilà, tout un parcours devant les médias. Et moi, je pense que c'est intéressant, en fait, de continuer déjà la convergence avec les syndicats et avec les partis pour commencer, en fait, avec cette convergence, parce que le 1er mai, ça va être aussi avec eux. Et là, donc, moi, je pense qu'on continue à faire une convergence avec eux. Et en fait, on est là, et vraiment, on vous lâche le nom, voilà, La grève qui a aux urgences dans les hôpitaux, parce que c'est une grève qui est un peu invisibilisée, moi je trouve, mais c'est très important, voilà. Cette grève, les gens se mettent en avant, en fait, contre leurs conditions de travail, contre aussi les violences, parce que les violences. C'est vrai, et avec les parcours. Mais du coup, voilà, je pense que ça sera assez chaud là-bas. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Même aller à la rencontre de gens comme ça, c'est assez important. Ils ont un projet qui s'appelle l'interdiction. Je sais quoi faire avec lui. Parce que lui, il a besoin d'être ramené à la condition de vie. On va lui faire travailler.